je suis un artiste chanteur qui est socialement engagé. Je chante la femme. Le fait de chanter la femme pour moi, c'est-à-dire, est une sorte d'interpellation ici, aux uns ou aux autres, pour leur faire comprendre que la femme, elle est fondamentale. Je pourrais citer Hadja Idriss Aba. Je l'ai connue, je crois, lorsqu'elle était présidente du Parlement des jeunes filles Luder. Et entre-temps, j'ai eu à m'associer avec elle parce que j'étais très admiratif de ce qu'elle faisait déjà à très, très bas âge. Pour moi, c'est une femme inspirante. Et vis-à-vis de tout ce qu'elle a pu accomplir à son jeune âge, c'est-à-dire dans son combat pour la lutte contre les mariages précoces, contre les violations faites aux femmes, contre les violations surtout faites aux jeunes filles. Et elle a eu un impact très 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 positif parce qu'elle a pu empêcher beaucoup de mariages précoces. Elle a pu empêcher, c'est-à-dire, elle a pu en fait, en gros, restituer une question de droit à l'endroit des femmes ou des filles qui ont été violentées. Je suis très 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 fier d'Hadja Idrissa parce que à la voir de loin, de son jeune âge, ce qu'elle arrive à faire, je sais que c'est... Ça aurait pu être aujourd'hui une dame de 50 ans, de 60 ans qui aurait pu arriver à faire de telles choses alors qu'elle n'a même pas 25 ans encore. J'espère que dans 5 ans, et beaucoup d'hommes auront compris que la femme, c'est-à-dire, est importante dans la société, que la femme devra occuper beaucoup plus de place administrative, c'est-à-dire qu'elle soit aussi massive dans les prises de décisions chez nous.